Salut, c'est Sophie. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, C'est Bio La Via m'a donné une nouvelle mission qui me tient particulièrement à cœur. La décoration de Noël. Avec un défi assez important. Une décoration de Noël sans sapin. Ne vous inquiétez pas, je vais trouver une astuce. Et c'est dans le gîte L'Affairage à Saint-Janet que je vais relever ce défi. C'est parti! La table est dressée. Maintenant, on va passer à ce qu'il y a de plus important, la décoration, bien sûr. Ne prenez pas trop de couleurs. Quand on veut réussir une décoration, il faut faire maximum 2-3 couleurs. C'est vraiment très important. Donc aujourd'hui, moi j'ai choisi rouge et marron. Le centre de la table, c'est vraiment le point le plus important pour votre décoration, pour votre table. Donc là, je vais m'appliquer à faire un joli centre de table. N'hésitez pas à prendre de la verdure, du feuillage. Alors le lierre, c'est vert toute l'année, donc ça c'est bien. Et puis, c'est une valeur sûre. Alors, en général, pour une table de Noël, on fait un plan de table. Donc, ce qui est chouette, c'est de personnaliser la serviette de table avec un petit peu ce que vous avez envie de mettre. Moi, j'ai choisi une petite ardoise, une orange et un petit feuillage que je mets comme ça. Et puis après, on met le prénom de l'invité. Alors moi, j'aime bien faire des petites tables apéro. C'est à créer différentes ambiances, c'est sympa et très convivial. Ce soir, c'est Noël, on va boire du champagne. Sans hésitation, parce que maintenant, il y en existe du bio. J'ai pas oublié mon défi sapin de Noël. Un grand vase, des branchages trouvés dans la nature, du lierre, quelques boules de Noël et une guirlande. Et le tour est joué. On n'oublie pas les cadeaux. Mission accomplie. J'espère que ma décoration de Noël vous plaît. N'hésitez pas à me retrouver sur libellulespapillons.fr pour vous inspirer de mes créations ou pour faire appel à mes services pour toutes vos décorations événementielles. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. À très bientôt.